En couple depuis plusieurs mois avec le navigateur et un skipper professionnel français Marc Tiercelin, comme l'avait dévoilé le magazine Voici, Estelle Denis. L'animatrice star serait en proie à une dangereuse addiction. L'animatrice a révélé être dépendante d'une drogue qui fait actuellement des ravages. Il n'y a pas que les drogues dures ou même douces qui sont capables de rendre dépendant. L'alcool peut aussi, tout comme l'héroïne et la cocaïne, créer le manque. Comme en témoignent tous les anciens alcooliques qui racontent avoir eu besoin d'un verre dès le réveil pour ne pas trembler, rapporte le magazine France Dimanche. Le magazine People en dit un peu plus sur cette addiction dont souffre la compagne du navigateur Marc Tiercelin. Et ce dernier serait peut-être inquiet pour sa chère et tendre avec laquelle il a officialisé à l'occasion d'un match du Paris Saint-Germain. Les photos ont été publiées par le magazine Voici. L'addiction qu'Estelle Denis doit combattre est celle des paris sportifs. La maman de deux enfants n'a nullement l'intention de raccrocher. Invitée ce 30 novembre de l'émission Quotidien, l'émission présentée par Yann Barthès sur TMC, l'animatrice de 45 ans a révélé y consacrer des sommes conséquentes. « Oui, je suis en perte », a-t-elle admis, expliquant au passage avoir misé sur une victoire de la France face à la Tunisie. Ce match finalement concédé par les Bleus lui a fait perdre son enjeu, a-t-elle indiqué. « Je mets des 10 balles, mais c'est embêtant aussi. Que ce soit 1 euro ou 10 euros, ça me crispe », a-t-elle avoué.